Bonjour, un nouvel atelier aujourd'hui autour du corps. J'ai appelé cet atelier Traces de corps. Alors, ce ne sera pas un atelier avec une vidéo, avec un tuto, avec une démo. C'est un atelier de recherche et de création personnelle que je vous propose. En fait, on va évoquer le corps sans le représenter directement. Ce n'est pas un portrait, ce n'est pas un dessin d'observation, ce n'est pas une photo d'un corps en tant que tel. L'idée, c'est d'évoquer le corps sans le représenter directement. Alors la photo, ça peut être un bon moyen pour vous, au moins pour un premier travail de recherche ou un travail final. Qu'est-ce que ça va être une trace de corps? Bah, c'est l'empreinte que laisse le corps quelque part. Alors ça peut être une empreinte physique, une trace dans la neige, dans la boue. Quand vous vous levez le matin, et ben c'est l'empreinte de votre tête sur l'oreiller, c'est tout un tas de choses. Mais ça peut être aussi une ombre, une trace avec la lumière. C'est une trace. Voilà. Alors on va chercher ensemble, peut-être d'abord les lieux où le corps laisse une trace. L'écriture en est une aussi, pourquoi pas, mais ça peut être l'empreinte des doigts dans la pâte quand on fait du pain, ça peut être plein de choses. L'idée, c'est que vous réfléchissiez à ce que vous avez envie d'évoquer du corps. Est-ce que c'est quelque chose de qui évoque la chair, qui évoque le sport, le côté physique, le côté force? Est-ce que c'est quelque chose de plus sensuel, de plus organique, de voilà. À vous de voir déjà ce que vous voulez évoquer, qu'est-ce que ça véhicule comme message, qu'est-ce qu'on fait passer quand on évoque le corps de manière poétique, ou voilà. À vous de chercher. C'est plus un travail de recherche, de réflexion. Je trouve que la période aussi s'y prête à la rêverie, voilà, comment on a envie d'évoquer le corps et les traces qu'il laisse dans le monde, dans la vie, dans l'univers, dans la nature. Ça peut être aussi comment, un acte presque pas politique, mais engagé. L'homme laisse sa trace dans la nature et c'est pas toujours bien, entre guillemets, ou c'est pas toujours bon pour l'environnement. Ça peut être aussi une démarche qui soit positive pour l'environnement, pour le développement de la nature, que l'homme laisse sa trace pour protéger. Je pense aux dunes, par exemple, au bord des plages. Je pense à certaines parcelles qui sont mises en protection pour les oiseaux. Enfin voilà. Après, il faut que vous trouviez quelque chose qui est que vous pouvez capturer, que vous pouvez photographier, que vous pouvez évoquer, puisqu'il va falloir fabriquer, créer une image enfin, la faire en photo, hein, la photographier, mais comment vous allez pouvoir, une fois que vous aurez trouvé ce lieu où le corps a laissé une trace, comment vous allez pouvoir en garder cette trace et la retranscrire à travers un travail artistique et plastique. Alors, je pense à quelques artistes ou à quelques œuvres, entre guillemets, ou quelques éléments de notre histoire. Une des premières traces de corps pour les chrétiens, c'est le Saint-Sever, en fait, hein, c'est l'empreinte du visage du Christ. Je pense également au travail de Anselm Kiefer, qui est un artiste allemand. Il a notamment, comment dire, fait des sculptures, des installations de robes qu'il a durcies avec différents matériaux, notamment du plâtre, et où du coup les robes gardent l'empreinte d'un corps, mais qui n'est plus là. Alors lui, il évoque beaucoup la période de la Shoah et les camps avec la déportation. Du coup, il y a un message très fort dans cette trace, dans cette empreinte de corps, et à la fois l'absence du corps en lui-même.
C'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant d'évoquer le corps sans le représenter directement. C'est vrai qu'avec l'atelier corps et figure, on a l'habitude d'être vraiment sur la représentation du corps ou du portrait. Je trouve que voilà, dans la création contemporaine, la place du corps de l'artiste est vraiment importante dans l'œuvre. Et c'était une... Oui, je trouve que c'est vraiment un sujet. Peut-être que c'était encore plus fort d'évoquer le corps par sa trace et non par sa présence, en fait. Il brille par son absence. À quoi je pense d'autre comme artiste. Sûrement en photo, on a probablement des choses. J'ai pas de noms qui me viennent, mais... voilà, essayez de peut-être penser à des images. Alors, s'il n'y a pas d'artistes qui vous nourrissent, peu importe. Hein, il y a peut-être déjà des images qui vous viennent, je ne sais pas, d'une silhouette qui disparaît dans la brume, d'une ombre sur une fenêtre ou sur le sol, ou des traces de pas dans la neige. La trace... d'une écriture sur un tronc d'arbre, un signe, quelque chose que le corps a laissé dans le monde, dans l'espace-temps qui est le nôtre. Voilà. Je reste à votre disposition, n'hésitez pas pour qu'on échange, vous pouvez me joindre pour qu'on en... débattre, qu'on en discute, c'est plus une piste de réflexion et un travail de recherche, mais c'est vraiment, je pense, passionnant d'évoquer les traces du corps. Belle création à tous et à très bientôt. Merci.